objectif global, c'est toujours le même. Donc, c'est au fait enrichir la communauté des informaticiens des universités afin de pouvoir trouver ou identifier une bonne manière pour répondre, disons, une manière très riche à répondre aux différentes sollicitations, besoins des différents partenaires. Et ça, c'est de manière globale. De manière un peu plus spécifique, il s'agissait d'aborder les questions sur le management des systèmes d'information. Donc, nous avons parlé des ITIL version 4 sur la gestion de services, nous avons parlé de gestion de projet, nous avons parlé des normes ISO et plusieurs autres discussions, échanges, partage d'expériences entre informaticiens. Principalement, nous avons travaillé sur la cybersécurité. Ça, c'est un point. Nous avons travaillé sur comment optimiser les réseaux dans nos différentes universités. Nous avons travaillé également sur la transformation digitale au niveau des universités. Comme je l'ai dit, comment faire face au e-learning, comment faire face au télétravail. Et nous avons effectivement travaillé sur les réseaux d'éducation et de recherche. Au fait, c'est l'élément qui regroupe toutes les compétences qu'il y a dans le groupe. Et ce qui fait que pour un sujet donné, pour un problème posé, pour un besoin donné, avant de faire appel à qui que ce soit, donc nous savons directement regarder à l'intérieur pour dire, voilà, il y a tel problème qui existe et qui peut être résolu par telle institution, par telle personne. Ce catalogue de services nous permet, depuis la base, c'est-à-dire depuis le matériel jusqu'aux stratégies pour la transformation digitale de façon générale d'une université. Et je vois que de plus en plus, chacun de nous est en train de mettre cela en pratique. De plus en plus, il y a des compétences, et de plus en plus, nous sommes en mesure de résoudre tous les problèmes qui se posent et nous savons proposer des nouvelles solutions, mettre à jour nos universités par rapport à la technologie, notamment dans la digitalisation, la numérisation, ainsi de suite. Donc, tout se passe vraiment tel que on le souhaite et donc nous allons de plus en plus en avance. Les stratégies, c'est d'abord l'entraide, c'est d'abord l'accompagnement que nous pouvons et déjà nous donner, parce que même si aujourd'hui on me dit que, comment on appelle-t-on, que le système est complètement arrêté, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas arrêter, n'est-ce pas, ces différentes relations qui sont nées. Donc, la stratégie, c'est d'abord l'entraide. Ensuite, les différentes perspectives, c'est que dans ce cadre, nous nous constituons, n'est-ce pas, en une force, en quelque sorte, pour proposer, que ce soit de façon collégiale ou même individuel, on se fera toujours accompagner et l'un dans son et chacun dans son université. C'est proposer de façon collégiale, n'est-ce pas, des projets innovants hein, pour disons mettre en place une infrastructure résiliente afin de supporter au mieux les services ou d'offrir au mieux les services informatiques qui sont totalement inhérents hein, à l'évolution d'une université, puisque nous sommes dans le domaine éducatif. Les informaticiens ont été énormément sollicités pour différentes solutions. Donc, ça a été énormément de sollicitations, beaucoup de nuits blanches pour essayer de faire fonctionner les choses, pour essayer de trouver des solutions. Mais les institutions se rendent compte aussi que même s'il y a toute la partie technologique, ce n'est pas qu'une histoire des informaticiens. Parce qu'il faut que les gens de la communication soient impliqués, il faut qu'il y ait une équipe de support avec les call centers. Il faut qu'il y ait une équipe sur le plan juridique qui ait négocié certains aspects juridiques. Il faut qu'il y ait une équipe d'audit, il faut qu'il y ait une équipe de process. Donc,
c'est toute une transformation que les institutions doivent mener pour aller un peu dans le numérique. Je ne pense pas qu'on est prêt à avoir des universités 100% virtuelles. À mon avis, ce qui pourrait marcher assez rapidement, c'est ce qui est blending learning. Donc, ça veut dire à moitié virtuel, à moitié présentiel, sachant que la partie virtuelle permet à ce que aussi on puisse respecter mieux les gestes barrières. Par exemple, les salles qui accueillaient 150 étudiants, on peut dire, voilà, il y a une partie qui participe aujourd'hui en physique, il y a une autre partie qui participe demain en virtuel. Et puis pour les institutions qui avaient des problèmes de capacité d'espace, bah, ça leur ouvre un nouvel univers avec de nouveaux espaces virtuels dans lesquels ils peuvent accueillir en fait des étudiants. Je pense qu'il faut encore les deux. En tant qu'université publique, normalement, nous n'avons pas vraiment une grande capacité d'accueil. Donc, aller vers une plateforme en ligne, donc, ça va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants, beaucoup plus, et aussi les outils aussi, parce que partout dans le monde, ben, les choses ne se font plus comme elles se faisaient avant. Le premier obstacle, c'est vraiment lié à l'humain lui-même, hein. Donc, c'est cette capacité à ne pas vouloir changer rapidement. Après, il y a sans doute d'autres défis, défis sur le plan réglementation, parce que beaucoup d'institutions voulaient bien à un certain moment se rentrer dedans, mais ils avaient toujours peur de la reconnaissance sur le plan juridique de ce qui se faisait avec les e-learning. Mais la loi est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc, je pense que c'est des barrières qui pourront être franchies. Et enfin, il y a aussi des contraintes liées à la technologie elle-même, sur la partie connectivité.